Et salut tout le monde les amis, let's go, nouvel épisode de Sword Art Online Fatal Bullet, j'espère que vous allez bien. Deuxième épisode de Collapse of Balance, ça arrive entre les lèvres de dire ça, mais bon. Donc, nouvel épisode les amis. La dernière fois, nous avons commencé le DLC, tout simplement. Je le tourne à la suite, donc du coup, il fait toujours aussi chaud les amis, désolé. Hein. Donc je risque très fortement de boire entre les trucs ou pendant les cinématiques. Donc vraiment désolé. Et donc du coup, Eugeo et Alice nous ont rejoint deux persos que je trouve très stylés, hein. C'est deux persos de Aliceisation, la saison 3 de Sao, si vous les connaissez pas, c'est normal, c'est que vous avez pas vu la saison 3 de Sao, si vous n'êtes pas à jour. Alors, par contre, qu'est-ce que c'est que cette merde? Il y a beaucoup trop d'ennemis ici. Mais encore une fois, ils sont pas très forts. Ah, cool, la biogène, il fallait la tuer, cool. Ah, c'est cool, ça te plaise. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah, par contre, je me suis pris un debuff. Merde. Voilà, lui, ça dégage. Le robot, il dégage aussi. Voilà, il va pas me gêner plus longtemps que ça. Lui aussi, il dégage. Et ça aussi, porte des ruines. Allez, Eugeo, avec moi. Ah non, alerte pas. Ah, le bâtard, il a rien fait venir. Il a eu le temps. C'est parce que vous n'étiez pas avec moi, les gars. Vous étiez pas cool. Ah non, par contre, pas deux fois. C'est bon. Il nous a déjà assez saoulés. Alors, les amis. Alors, notre ennemi se trouve en haut, si je me trompe pas. Il est possible que je fasse une ellipse, les amis. Hein, parce que après celui-là, on a toujours une porte bloquée. Je ne sais pas comment on la débloque. Donc, du coup, il est possible que je fasse une ellipse. Alors, où est notre ennemi? Il est pas ici. Les double coffres, on prend. Mince, il est pas ici. Mais attendez, il est où? Dani? Ah, je l'ai tué. Ah ouais, je l'ai tué. Ah ouais, j'ai dû le tuer. Dans la fusillade, j'ai dû le tuer. Ok. Bon bah voilà, c'est fait les amis. Je sais pas quel était le boss, mais pff, ridicule. Certainement le robot, je pense. Le robot volant, je pense. Bon, bah c'est peut-être à ce moment-là, les amis, on va peut-être faire une petite ellipse. Je sais, au tout début, les amis, de la vidéo, mais bon. Pas le choix, je pense. Enfin, vu qu'on est au début, on va peut-être chercher un peu pour voir. Mais si ça s'ouvre pas, je comprends pas. Hein. Ah! Ça marche ou pas? Ah, yes, ça marche, c'est bon. C'est bon, ça marche, les amis, yes. On a dû se téléporter au mauvais endroit la première fois. Ah, mais je les ai déjà affrontés, eux. C'était au tout début de l'histoire principale. Ouais, c'est simple à le battre. Bon, on va vite le défoncer, les amis. Hein. C'est lui réellement qu'il faut tuer, bah, putain. Je sais pas pourquoi il nous dit d'affronter nos anciens ennemis. Bah, c'est tous des gens qu'on avait affrontés, les amis, dans la série principale. Si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas. Hein. Ça me ferait extrêmement plaisir. Les vidéos sont faites pour ça. Hein. Et du coup, voilà, c'est fait. Ouais, c'était ridicule. C'était ça, les ennemis, sérieux? C'est ridicule. Hop, c'est... Ouais. En plus, ils avaient le même niveau que quand on les a rencontrés. Ok, bon, bah, c'est pas grave. Passons à la suite. Bon, certains n'ont pas gagné, j'espère. Alors, bon, on va boire un coup, les amis. On l'a pas mérité, mais bon. Bien. Bon, je vais pas trop tester le jeu Alice, c'est con. J'aurais voulu un gros combat, quand même. Le seul qui était divertissant, c'était l'épisode précédent. Le level 40, mais bon. Ah, Zeliska. Alors, t'as tué la moitié, c'est bon? Moi, oh, c'était aise, hein, pour le coup. Merci d'avoir battu ces machines à ma place, moi aussi j'ai éliminé les miennes, en 4 vitesses, bon, bah, moi aussi. Il ne nous reste plus qu'à aller notre élève. En tout cas, c'est ce que je serais en train de dire s'il n'y avait pas encore un problème à régler. Ah, dis-moi. Yui m'a donné tous les détails. Apparemment, le donjon dans lequel Lièvre a été aperçu a été scellé. Ah, je me demande s'il ne nous faudrait pas un objet bien précis. Ah, d'accord. Pour y avoir accès. Accepterais-tu de te pencher sur la question? Ouais, d'accord. Ah, par contre, c'est une recherche, ça va être chiant. Ok. Bon, on va regarder ça, les amis. Alors, par là? Ah, somatique. Argo, putain. Ah, putain, Argo. Dans sa OMDR. Hein. Ah ouais, je t'ai pas oublié. Yo, player gamer, ça a été la folie, pas vrai? Non. Sauf erreur de ma part, tu comptes te rendre dans le nouveau donjon, la porte perdue. Comment je le sais? Moi, ah, je sais tout, moi. Ouais, ouais. Et je sais aussi qu'il te faut 3 clés pour y accéder. Rapport à mon omniscience. Ah non, il va falloir la chercher. Hein? Comment ça? Ça ne me ressemble pas de...
de pas essayer de te plumer. Qu'est-ce que tu racontes, on est partenaire, non? Ouais, bien sûr. Ouais, t'as bien entendu, on va s'allier. Je te donne des infos, tu me fournis les clés. Une offre que tu ne peux pas refuser. Bah oui, j'ai pas le choix. Les quêtes urgentes comme celle-là disparaissent avant que tu aies le temps de dire ça m'a filé sous le nez. C'est bien pour ça que tu dois m'en rencarder et s'entraîner. Ok. Mais hélas, trois fois hélas, je n'ai d'infos que sur la première clé pour le moment. Et les infos viennent tout juste de tomber, donc on ne sait pas encore grand-chose. Ah merde. C'est là que tu interviens. Rapporte-moi cette clé, pigée, pendant ce temps, je trouve des infos sur la clé numéro 2. DOS. Si tu me livres la marchandise, ça m'évitera d'aller la chercher moi-même. Et je pourrais me concentrer sur la pêche aux infos. Divisé pour mieux régner. Efficacité, hip hip hip, hurra. On sera tous les deux gagnants, alors tant y quoi. Tu marches, c'est un bon arrangement. Je ne te le proposerai pas deux fois. Moi, alors, suce à l'ennemi, partenaire. Et en guise de bonus, je vais te lancer des infos juteuses dès que t'auras réuni toutes les clés. Si juste ce que je vais même pas devoir te les faire payer. Que dirais-tu de 30 millions? Oh, hey, qu'est-ce qui me vaut ce regard assassin? Ça va, je vais être honnête. J'ai pas encore toutes les données nécessaires. Et franchement, sache que je prends de gros risques pour les obtenir. Donc 30 millions, c'est donné, tu piges? Bah, on marchandera un autre jour. Pour le moment, il faut vraiment que tu me rapportes ces clés. Allez, fonce. La roquette dura. Génial. Allez, let's go. Du pain sur la planche, les amis. Alors, trouver le fragment Delta dans le labo de recherche. Où est-ce qu'il est? Ah, putain. Oh non. T'es sérieux? Mais je sais pas où il est, le labo de recherche. Dans le labo de recherche. Il te faudra trois clés. Par contre, ce sera à toi de les trouver. Skate ne peut être accompli dans le mode histoire. Ah. Dans le labo de recherche. Mais c'est quoi le labo? Ah, c'est un donjon, le labo de recherche, je crois. Ça me dit quelque chose. C'est pas la zone urbaine? Non, j'ai rien dit. Excusez-moi. C'est le désert des ruines, je crois. Ah, yes. Putain, elle est dedans. Ah, on sait pas où elle est. Bon, ça va. Le donjon est petit, donc ça devrait aller, les amis, pour le premier. Mais par contre, pour les deux autres, j'ai peur. Hein. Ça sent le méga gros donjon. J'adore cette image, les amis. Cette image à droite, là, on voit Glocken en sombre, en ruine, limite. J'adore. Je trouve ça hyper stylé. Peut-être que ce DLC 3 va être un peu plus sombre que les autres. On sait jamais. Pourquoi pas. Alors, trouver la clé. Je sais pas où elle est. Enfin, mon Delta, il doit être dans un coffre, non? Ou dans un boss. Bon, bah cherchons. Cherchons. Non, rien. Alors, voyons voir, les amis. C'est parti. Là, nous sommes en mode recherche. Ah merde, pas de coffre. Toi, tu dégages. Toi, tu dégages. Ok. Pas de coffre non plus. Allez, let's go. Par contre, je me demande, est-ce que c'est un coffre qu'on a déjà pris ou est-ce que c'est un coffre qu'on a jamais pris? Je ne sais pas, les amis. Ah, les arachnides, faut les tuer. Ok, intéressant. Cool, ça me fait une mission aussi. Le drone, il dégage. Ah, un coffre! Dis-moi que c'est lui. Ah non, c'est pas ça. Pièce machine cassée, c'est pas ça. Malheureusement, les amis. Tristesse! Alors, la suite. Ah, par contre, j'ai deux choix. Que dit la carte? Ah, ici, c'est annexe. On va aller là. Merde, autant pour moi. Non, Alice, dégage! Tu me gênes. Y'a pas de coffre là? On va aller à l'intérieur. Ok, hop. Ah, peut-être ici, ouais. Effectivement. Peut-être ici. Hop. Ouais, bien joué Yujiro Alice, je sais pas qui s'est fait ça. Vous êtes les meilleurs. Allez, toi dégage. Voilà. Voilà. Mitrailleuse, non, on n'a pas eu. Mince, il n'y a pas ce fragment, les amis. Bon, je commence à douter. Je sais pas où il est. Est-ce qu'il est dans une zone précise? Est-ce qu'il est dans un coffre? Est-ce que c'est un ennemi qui l'a? Je sais pas. Là, les amis, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est dans le labo de recherche. Donc, on va ratisser ce labo de recherche, je vous le dis. Je récupère cette clé. C'est moi qui vous le dis. Hein. Alors, peut-être là, non? Ah, balle antimatale. Bon, on se fait plaisir. Des balles, on prend. On prend quand même. Oh putain, je me fais tirer dessus. Ah putain, ouais, c'est le moment où il fallait un snipe.
Putain, je tirais super mal. On peut pas aller par là. Mince. Pas aller jusque là. Bon, bah écoutez, tant pis. Allez, let's go. On a encore eu des balles, c'est cool, ça fait plaisir. Alors. Rien. Ça dégage. Ça dégage. Ça dégage, ça dégage. Bon. Toujours rien, les amis. Hein. Toujours rien, mais bon, je perds pas espoir. C'est jamais. Ah, une arachnid, parfait. Hop. Yes, une arachnid. Le troisième. Oh, un coffre. Celui-là, non? Oh, putain, c'est pas ça. Merde. Je commence vraiment à croire que c'est le boss, en fait. Hein. L'ennemi qu'on cherche, c'est peut-être le boss. Il y a un coffre là-bas, putain. Mais vas-y, comment je l'atteins, le coffre? Ah, peut-être de ce côté-là, non? Ben non. Comment j'atteins ça? The fuck? Oh, what the fuck? Ah non, il y a forcément une entrée, il y a un truc. Où est-ce que ça tient? Où est-ce que ça va, ça? Waouh! Alors là, les amis, là, je sais pas du tout comment on atteint ce coffre. Bon, on va essayer le boss pour voir. Ça va être certainement le boss, non? Si c'est le boss, la prochaine fois, je... pour les deux autres, je me téléporte direct au boss. En fait. Allez, le juge dégage. C'est pareil, c'est un boss qu'on a affronté dans Fatal Blade. C'était même le premier boss, les amis. N'hésitez pas à aller voir le let's play. Hein. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et c'est pas ça. Non, c'est pas ça. On va continuer un peu. Ouais, mais ça va être certainement la clé là-bas. Mais comment je l'atteins? Ah, peut-être là? Non. Non. Souvenir de première. Non, c'est pas ça. Ça va aller. Ah putain, ce coffre là, sérieux? Mais comment je l'atteins? Tu sais, comment j'atteins ce coffre? J'ai aucune idée. Oh. Ouh, ça c'est un nom chiant, les amis. Merde. Ah bah là, je pense que c'est ce coffre là, les amis, mais là, je vois pas trop comment l'atteindre. De toute façon, je peux pas rester collé au mur. Ça se saurait. Non, mais il doit avoir un accès. Mais quoi? Où est cet accès de merde? C'est peut-être là. Il y a une porte. Non, il y a un truc. Merde. Ok, c'est moi qui dégage. Pas de problème. Là, peut-être, non? Oh là là. Oh. Ah, attendez, il y a une petite plateforme là-bas que j'avais pas vue. Ah oui, non, c'est la plateforme là, mais je peux pas l'atteindre. C'est impossible. Je suis désolé, c'est impossible. Regarde, si je tombe, je tombe. Ok. Bah, les amis, on va faire une petite ellipse là, parce que là, je ne sais pas du tout comment atteindre ce coffre. Si ce coffre, c'est bel et bien la clé Delta. Hein. Je pense très certainement que c'est la clé Delta. Parce que là, je sais pas du tout comment l'atteindre. Je sais pas. Genre, je vois pas. Je sais pas, pour moi je croyais que c'était un escalier. Vous voyez, je croyais que c'était une plateforme invisible. Et en fait, non, il n'y a rien d'invisible. De toute façon, je peux pas l'atteindre de là. Hein. Mon grappin ne fait pas 15 mètres non plus, faut déconner. Donc voilà, ok, on va faire une petite ellipse et on se retrouve juste après. Allez, ellipse. Re tout le monde, les amis. Ça y est, j'ai réussi. Alors en fait, finalement, c'était possible de faire ça. Et j'aurais pas cru. En fait, c'était possible d'atteindre le coffre avec, avec le grappin. Et donc, du coup, nous avons là. Premier fragment, alors tout simplement les amis, il fallait faire comme ça, enfin tout simplement, c'était pas évident. En gros, il faut prendre le grappin comme ça, et après revenir comme ça en gros. Voilà, bon là je suis tombé, ok. Ah, d'accord, je sais pas où je vais atterrir. Ah, je vais atterrir. Est-ce que j'arriverai à vous faire voir? Je vais essayer vite fait avec vous. Faire comme ça. Et comme ça. Voilà les amis. Sûrement vous l'aurez vu. Voilà, par contre vous avez le droit qu'à deux essais, hein. Enfin vous avez le droit que deux coups de grappin, sinon il tombe, après votre perso il tombe trop vite. Donc voilà, c'est une question de dosage, mais j'aurais pas cru que c'était possible, pour le coup, comme quoi, on apprend tous les jours. Bien, ça c'est fait, on a le premier fragment, on va continuer les amis, hein, évidemment.
On va continuer. Ça serait bien de récupérer tous les fragments dans cet épisode. Ça me paraît faisable, clairement. Il y a que 3 clés, hein, après tout. Non, il en reste 2. Ça me paraît faisable. Du coup, est-ce que c'est un DLC qui va durer 3 épisodes? J'en ai aucune idée, les amis. Allez, Azur. Oh, joli, tu l'as trouvé. Car c'est bien elle, pas vrai? En tout cas, ça m'a tout l'air d'une clé. Merci, je savais que je pouvais compter sur toi, et puisque tu n'as pas fait chou blanc, ça veut dire que je peux me fier à ma source. Yes. Mate-moi un peu ça, j'ai mis la patte sur des infos. Rapport à l'emplacement de la deuxième clé, allez, fonce la récupérer. Ok. Oh, tu te souviens, l'info juteuse dont je t'avais parlé? Celle que je te vends pour 30 millions, j'ai des acheteurs qui font la queue jusqu'au bout du quartier. Ah oui. Donc ça ne t'intéresse pas, je la vendrai au plus offrant. Fais gaffe, cette occasion en or va te passer sous le nez. Mais qu'est-ce que c'est que ce détail à vous? Moi, je pense qu'elle me fait carrément chanter. Et que c'est pas du tout un bon fragment. Ah, dans le phare, d'accord. Ok, trouve le fragment, espion dans le phare. Oh, ça va. Non, le phare, normalement, ça va. C'est pas aussi chiant que celui-là. Le phare. Alors, le phare, c'est dans les sablons. Hop. Ah merde, du coup, ouais, du coup, c'est pas dans le boss. Bah, on a pas le choix de faire l'entrée. Bon, encore ça va, c'est encore un petit temple, ça va. Arrêtons de faire notre flemmard, les amis. Allez, let's go. C'est parti. Ouais, désolé les amis, ça me gratte partout. Avec cette chaleur, c'est horrible. Une fournaise. Bien. Allez, on va chercher ce deuxième fragment. Ah, ils sont un peu plus forts. Mince. On a moins les one-shots, c'est con. J'aimais bien les one-shots. Alors, tac, 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 tac. Pardon les gars. Merci, je passe. Alors, pas de coffre ici, non. Alors, il y a un coffre ici. Bon, je pense que c'est un coffre que j'ai pas pris, que j'ai jamais pris, mais bon, dans le doute. Hein, dans le doute, on va le prendre. Parce qu'il est très sympa à prendre. Ok, bon, c'était pas ça, absorbeur de choc, on s'en fout. Par là, peut-être. Forcément dans un lieu reculé, les amis. Y'a pas de coffre ici? Non. Non, pas de coffre. Allez, let's go. Let's go, let's go. Là, est-ce qu'il y a un coffre? S'il y a un coffre qui n'est pas sur la carte, je pense qu'on a le bon. Enfin, je pense, les amis. C'est une théorie, quand même. Yes, bien joué. Bien joué Yujiro Alice. Hop, il dégage. Ouh, on a repasé, c'est évidemment. Merde. Je suis tombé, les amis. Alors, il y a un coffre, là? Ah, ça aurait été trop beau. Ça aurait été clairement trop beau, les amis. Mais bon, tant pis. Alors, là, il y a quelque chose. Ah, il y a un coffre. Ah non, merde, on l'a déjà fait. On a déjà fait ce coffre, donc en théorie, normalement, c'est pas le fragment. Ouais, armure multiple, c'est pas ça. Mince. La barbe. Alors, on s'en va. Et cette fois, on refait le tour. On sait que le retour est beaucoup plus rapide. Sans les ennemis. Let's go. Alors, attends, je veux pas sortir. Ouais, voilà, je vais monter. J'ai fait l'erreur, je m'en doutais, j'allais sortir. Yes. Alors. Ah, on a une grande salle. Ah oui, une énorme salle même. Et peut-être le coffre ici, effectivement. Alors. Il y a deux coffres là-bas, certainement fait. Il y a un coffre là, certainement fait aussi. Mais bon, encore une fois dans le doute. Ah, celui-là, il est pas plus de coffre. Est-ce que c'est lui? Ah non, ça pique très sale, mince. C'est pas ça. Quel dommage. J'ai cru à celui-là. Ouais, oh, ça va là. Les ennemis là. Ah, il y a un coffre ici. Ah merde, c'est un coffre de munitions. Dommage. C'est pas ça. Un fusil d'assaut. Ouais, des balles. Ok. Il y a deux coffres là, peut-être un, non? Souvenir de Sinon. Ah, on prend. Quartier à monstre. Je donnerai ce souvenir de Sinon à Icarus. Je plaisante, les amis. Alors, encore un coffre ici ou pas?
Il est peut-être dans cette grande salle. Ah, il y a un coffre là. Ah non, c'est juste ça. Ah, on s'en fout. On s'en fout. Bon. Bah, visiblement, il n'y a rien. Quel côté? Par là. Ouais. Ah si, on va aller voir par ce côté-là et après on fera l'autre. Ah, ce phare est un peu plus long que l'autre quand même. Hein. Il est quand même un petit peu plus long. Alors, quel côté les amis? Bon, celui-là, allez. Merci, au revoir. Ah, faucheur coréen, son île presque. Hein. Encore pour eux, c'est bon. Ah, pas de coffre ici, putain. Voilà. Y'a pas de coffre? Voyez-vous, hein, y a bien un coffre par hasard. Non, y'a pas de coffre ici. Dommage. Bon, bah les amis, continuons. Pas de coffre là. Poursuivons. Yep. Hey, il est bien planqué celui-là par contre. Hein. Franchement, j'ai l'impression que celui-là va pas être facile à trouver. Okay. Ah, il y a un ennemi là. Un gros ennemi. Voilà. Et pas le tueur. Ah, cool. Sale blindé, c'est fait. Oh, il y a un coffre. Dis-moi que c'est celui-là. Yes, c'est lui, les amis. Yes, on l'a trouvé. Il était derrière, ok. Allez, on va aller voir à go. Yes. Cool. Ouais, donc du coup, c'était. Hein, l'anecdote sur le boss, hein, c'est de la merde. Hein. Le boss qui loot, non, c'est de la merde. Allez, let's go. Cool. On avance bien, les amis. Maintenant, le dernier. Et après, l'offre à 30 000 balles d'argo. Mais j'ai même pas 30 000. Si je dois vraiment payer, j'ai pas. Hein. Enfin, j'ai 30 000 ou pas? Enfin, attends, c'est 30 000 ou 30 millions qu'il m'a dit? Enfin, qu'elle m'a dit. Bah, de toute façon, on va en reparler, je suis sûr. Ah, t'as trouvé la deuxième clé. Elle ressemble beaucoup à la première. Donc, normalement, il n'y a pas d'erreur possible. J'aime le rythme effréné que tu nous imposes. En fait, j'aurais presque envie de t'embrasser. Quoi? Bref. Tu veux savoir où est la dernière clé, hein? Non, ça va aller, Argo, j'ai pas envie que tu m'embrasses. Par contre, Kifa. Oh, et j'ai une piste solide concernant l'info à 30 millions. Ah, voilà, 30 millions. Mais pourquoi tu me saoules avec 30 millions? J'ai pas 30 millions. On causera finance quand tu auras mis la main sur la troisième clé. Apporte une montagne de crédit, compris. Mais. Mais meuf. Putain. Pourquoi tu me fais chier avec 30 millions? J'ai pas 30 millions. J'en ai que 5 à tout péter, je suis sûr. Attends, attends. On va juste regarder, hein, parce que je suis curieux. Mais attends, j'ai rien de l'argent. Pourquoi vouloir me plumer comme ça? On est beau, mes crédits. J'ai 3 millions, gros. J'ai rien. Arrête. Filament gratos, cette info. C'est le métro B, hein, si je me trompe pas. C'est quoi? Vraiment Zeta, dans le métro B. D'accord. Très bien. Très bien, très bien. Métro B. Oh, putain, il est... Oh là là. Putain. Oh, il craint. Oh non, c'est des petites îles. Oh, il a l'air chiant, celui-là. Ça a l'air d'être le plus chiant, les amis. Là, je vous cache pas, là, c'est... C'est d'île en île. Oh là là, c'est chiant. C'est chiant. Mais c'est chiant, les amis. Parce que, obligé, il y aura des ennemis dedans. En plus, je sais pas quelle sera la zone. On va devoir très certainement tout faire. Oh là là. Ça s'annonce le truc chiant, en plus. Hein. Et en plus, on est encore plus fort, les amis. Là, oui. C'est quand même la troisième zone, déjà, principale. Ok, bon, je doute qu'il soit sur cette île-là. Sur cette île-là, ça serait incroyable. Alors, voilà, on va par là peut-être. Ah oui, ah non, mais c'est le moment où il y a deux téléporteurs. Putain, ah, c'est ça que c'est chiant. Merde. Bon. Alors, bah là on a deux téléporteurs, on a même trois en fait, je crois. Pour être honnête avec vous, je crois qu'on en a trois. Ouais, c'est pas ça, ça aurait été trop bien, mais c'est pas ça. Allez, celui-là du milieu.
Faut que je me rappelle, j'ai fait celui-là du milieu. Ah. Allez. Ah d'accord, je me suis re-téléporté en haut. Ok, très bien. Bon, ouais, du coup, qu'un seul est le bon alors. Oh dommage, il y avait un coffre là. Oh, quelle tristesse, je croyais que c'était celui-là. Oh quel dommage. Oh le fake les amis, c'était incroyable. Ce coffre fake, incroyable. Ok, ok, ok. Bon là on va balayer les ennemis, hein, ok. Alors, hop. Ah, merde, c'est une caisse de munitions, quel dommage. Quel dommage. Ah non, c'est pas une caisse de munitions. Mais bon, c'est pas dans cette caisse là qu'il y aura. Qu'il y aura ce que je cherche, ça c'est sûr. Hein. Alors, y'a rien. On a trois doigts. Va par là les amis, pas le choix. Allez, let's go. Au cas où, on va dire. Non, au cas où. Même si je sais que c'est avec tout, mais au cas où. Voilà, le robot c'est fait. Peut-être là où il y a le robot, il y a peut-être un coffre, non? S'il te plaît, un petit coffre. Et le bon, d'ailleurs, ça serait magnifique. Alors, alors c'est à gauche. Ah putain, j'ai encore un choix. On va là en haut pour voir s'il y a le coffre. Hein. J'aurai les boules s'il y aurait le coffre là. Ouais, on va tenter en haut. Allez, tant pis. Foutu pour foutu. Alors, ça va à nous. Encore une zone qu'on n'a pas visitée. Ah, un forcheur coriace, parfait. Ça fait le cul. Fallait que je le chasse. Là, ici, je crois qu'il y a un coffre. Si je ne me trompe pas. Oh putain. Oh mon dieu. Je viens de là, on est d'accord. Je viens de là. Il y a celui-là en haut et il y a celui-là là. Oh là là. Ouh là là. Celui-là en haut, allez. Le téléporteur insolite. Pour une maudite. Enfin, ok. Allez, bye bye. Une maudite. Voilà. Y'a pas un coffre ici, hein, par hasard. Quoi, comment? On sait jamais. Ah, les gars, vous n'auriez pas vu un coffre. C'est avec une clé. Avec une clé. Y'a pas un coffre ici, je croyais vraiment qu'il y a un coffre. Ok, c'est juste une pièce où il y avait un monstre assez spécial. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, c'est pas grave, on va brousser le chemin, c'est rien. Donc du coup, il nous reste une possibilité, celle-là. Pas de coffre ici, non? Non, pas de coffre. Dommage. Allez, la suite. Ah, il y a un coffre là. Mais ça va pas être bon. Il a déjà été découvert, donc je doute. Ah putain, Similac. Ah, c'est un Similac pour ça? Ok. Très bien. Très très bien. Alors, tac, c'est lui, gars. Salut gars, au revoir. Ok, parfait. Il y a un coffre non loin d'ici. Où est-ce qu'il est d'ailleurs? Tu vois comment j'ai fait pour l'atteindre? Ah, il y a une pièce en haut, ouais. Ah, c'est pas là où il y avait une trappe, je crois. Ah non, il y avait rien. Réellement? Ah merde. Ah bah, j'ai pas d'idée comment atteindre ce coffre. C'était pas là. C'était sur le côté, je crois. Je m'en rappelle plus. Oh là là, ça date. Ouais, là ça date, les amis. Bon, c'est pas grave. On va tirer le téléporteur. Au pire, on se fera chemin. Ah, c'est ici où il y a le boss, je crois. Je crois que c'est ici où il y a le boss. Ouais. Oh putain. Ah, par contre, sa zone elle est énorme. Il y a trop un coffre. Hein. Oh, il y a des boutons.
Voilà, bah ouais. Un coffre peut-être? Please. Ouais, je sais que Joël est là. Je le sais. Alors, un coffre là peut-être? Je vois bien un coffre sur le côté là, tu sais, en mode fourbe. En mode tu m'as pas vu. Tu m'as pas vu, mais moi je t'ai vu. Non, pas là. En bas. On va éviter. Alors, et sur les côtés, dis-moi qu'il y en a un. Dis-moi qu'il y a un coffre là, sur les côtés, comme ça. Non, même pas. Non, il n'y a pas de coffre. Non, je crois que j'ai fait le tour. Ok, bon, il n'y a pas de coffre, c'est pas grave. Ça va être un autre côté. Waouh, je commence à me dire que ce coffre là, il a l'air chaud. C'est pas le dernier pour rien. Et là, c'est pour se barrer. Ah non. Non, je vais pas me barrer. Non, ça va aller. Bon, bah, on va essayer de revenir là où il y a les monstres, là. Qui sont en haut, mais je ne sais pas comment les atteindre en haut. Enfin, je m'en rappelle plus. Je sais que je les avais atteints, hein. J'avais le coffre en plus. Donc, j'avais forcément trouvé la solution, mais je ne sais pas quoi. Ouais, où est ce coffre? Putain. Ce coffre a disparu, les amis. Après, je serais tenté de revenir au début. Parce qu'au début, je crois que j'avais oublié une entrée. Un téléporteur que j'avais jamais pris, il me semble. Ouais, comment ça se fait, ça? Il y avait une plaque ici, mais je m'en rappelle plus. Faut bien observer, il y avait une plaque. Ah mais où est cette plaque? La plaque? Allô? La plaque? Ah putain. Bon, on va peut-être éviter. On va rebrousser le chemin. Allez. On rebrousse chemin, les amis. Alors lui c'est fait. Putain, ce coffre il est chaud, hein. Il est pas évident ce coffre. Ça et ça, c'est fait. Oh putain, je croyais qu'il était là. T'imagines l'aura raté là, putain. Je serais dit merde, j'ai pas assez ouvert mes yeux. Je l'ai fait ce côté-là. Il me dit rien. Non, je l'ai pas fait. Il y a un ennemi. Non, je l'ai pas fait, les amis. Putain, dis-moi que c'est là. Oh, il y a un téléporteur en plus en bas. Et je crois qu'il y a un coffre en bas, non? Et ça, c'est quoi? C'est encore un téléporteur. Oh là là. Ah, il y a encore tout un côté que j'ai pas fait, en fait. Ouais. Ok, il n'y a rien par le téléporteur. On va faire le téléporteur du bas, on va faire celui du haut. Ah, deux coffres. Ah non, c'est les coffres qu'on a déjà pris. Je pense que c'est mort. Ouais, c'est mort. Ok, c'est pas grave. Tant pis. Non, ce qu'il nous faut, c'est vraiment un coffre qu'on n'a jamais pris, les amis. Je pense. Donc, par là, peut-être... Où est-ce que ça m'amène? Ah, une petite zone. Ah, derrière le... Oh putain, il sortira. Mais... Oh là là, ils sont trop nombreux. Putain, ils sont trop nombreux. Allez! Allez, encore, 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 encore! Il est presque mort! Yes! Lui, je l'ai aussi. Bon, là, ce que je fais, les amis, hein, je les tue. Parce que comme ça, en les tuant, je sais que je serais pas revenu ici. Oh putain! Non, là, clairement, on est d'accord, c'est impossible. Pas deux fois cette technique! Non, c'est impossible. Arrêtez! Mais arrêtez! Non, c'est impossible. Moi, pour moi, il y a des barrages et tout, c'est impossible. Par contre, de l'autre côté, il y a peut-être moyen de l'atteindre. Ah si,
Si on regarde la carte, il y a forcément un téléporteur qui va qui l'amène là. Ok, d'accord. Ok, ok, très bien. Bah du coup, il faut revenir. Et trouver ce téléporteur, tout simplement. Pas le choix, les amis. Ah, je déteste ce temple. Hein. Ce temple, là, où il faut se téléporter dans tous les trucs, là, c'est horrible. C'est un temple qui peut clairement te rendre fou. Clairement. C'est horrible. Bon, là, on rebrousse chemin. On rebrousse le chemin parce que, pour l'instant, on n'est pas bon. Pour l'instant, on a tout fait. Et ouais, les amis, c'est la tristesse. Là, on pourra bientôt pleurer, là. Dans pas longtemps. Tiens, j'ai pas pris le coffre, ici. Ah si, je l'ai pris. Je me disais bien. Ouais, je l'ai pris. Bah, c'est pas grave. On rebrousse chemin. Normalement, il y a un côté que j'ai pas pris au tout début. Mais c'est quel côté? Ah, je m'en rappelle plus. J'en ai pris deux sur trois, mais je m'en rappelle plus du dernier. Ah, putain. Mince, mince. Je me sens un peu. C'est bon, je peux m'en souvenir. J'ai pris lequel? Salut, j'ai pris. Ah, j'ai pris les trois. Ouais, j'ai pris les trois. Putain, mais c'est le début, je crois, en plus. Merde. C'est vrai que j'ai pris vraiment les trois. Attends, lui, je l'ai pas pris. Ouais, lui qui m'amène en bas, d'accord. Mince, je pensais que ça allait m'amener autre part. Devant, j'ai dû le prendre. Celui-là, j'ai peut-être pas pris. J'ai peut-être pas pris celui-là. Je l'avais pas vu. Ah, je suis arrivé dans le côté, là. Putain, il n'y a pas le coffre ici. J'aurais juré qu'il y aurait le coffre. Putain, j'aurais juré qu'il y aurait le coffre ici, les amis. Oh. Chier. Putain, je pensais vraiment que le coffre était là. Ah, merde. Mince. Bah, là, les amis, là, j'ai plus d'idées. Là, je n'ai plus d'idées. Bon, on va refaire une ellipse. Écoutez, on va refaire une ellipse parce que là, non, j'en peux plus, là. J'en peux plus, il fait chaud, en plus. Et vous savez que si je me débat trop, là, je vais mourir. Et là, on revient au début, j'imagine. On revient là. Ah, lui, je l'ai pas fait. Ah, lui, je l'ai pas fait, c'est vrai. Oh, mais dis-moi qu'il est là. Oh, c'est vrai qu'il était bloqué, putain. Oh, putain, dis-moi qu'il est là. Dis-moi qu'il est là. Oh, putain, dis-moi que ce coffre, c'est là. Okay. Ah, c'est le coffre. Ah, bah, c'est le coffre où je suis au-dessus, les amis. C'était donc là. Mais c'est pas ça. Ouais, c'est pas ça, c'est le dommage. Mais par contre, il y a encore un côté, les amis. Ah non, le côté, on l'a déjà fait. Oh, putain, il y a rien. Mais non, il y a rien. Ouais, bah, ellipse, les amis. Là je n'en ai aucune idée. J'abandonne. Je sais pas où est ce coffre. Je pense avoir tout fait, mais je l'ai oublié. Allez, les amis, petite ellipse. Et re tout le monde, les amis. Ça y est, j'ai trouvé le coffre. En fait, il était tout simplement ici, les amis. Donc en gros, le moment où je vous disais, il me semblait il y avait un coffre, et ben finalement il y avait un coffre. Et oui, et bien il y a un coffre, donc il est là, hein, si vous voulez savoir la carte. Voilà, dans ce cube là, bien éloigné, donc voilà. Bonne chance pour essayer de le retrouver. Donc, on va aller revoir Argo. Et après, on s'arrêtera. J'espère qu'il n'y aura pas de cinématique. J'espère qu'il y aura juste un... notre prochaine quête, c'est tout, quoi. J'espère qu'il n'y aura pas de cinématique. Cool. On monte niveau 105. Et Icarus aussi, cool. Ouais, le jeu aussi, non. Et Alice. Mais de toute façon, c'est pas grave. Ils montent le même niveau que nous à chaque fois, donc ça, c'est cool. Mais surtout, Icarus et moi, qu'on monte, ça, c'est bien. Du coup, niveau 105, pourquoi pas. Bien. Bien, les amis. Qu'allons-nous faire avec ces trois clés? Je vous le demande. T'as trouvé la dernière clé? Génial, beau travail. Maintenant, on a les trois. On devrait pouvoir déverrouiller cette sale tête donjon. Personnellement, je n'ai pas la moindre idée de ce qui s'y cache. Tâche de ne pas mourir, ok? Yes. Ok. Bon, on pourra faire le donjon. Bah, du coup, je le ferai au prochain épisode, les amis. Et sinon, pour l'info, à 30 millions. Ouais, je laisse en venir à des kilomètres, ceux qui ont les poches vides. Bah, moi. C'était une offre à durée limitée. Et entre amasser les crédits et chercher les clés, il a fallu choisir, je comprends. Désolé, j'aurais même pas dû t'en reparler. Et puis bon, tu sais te débrouiller. Même sans ça, tu ne mourras pas normalement. Bref. Merci de ton aide. À bientôt pour de nouvelles bonnes affaires. Bah, du coup, on n'en saura rien de cette offre à 30 millions. C'était du putaclic. Salut, Argo m'a tout raconté.
C'est super que tu aies réussi à dérouler la porte perdue. Allons rendre visite à Lièvre. L'ombre de Lièvre. Oh, ça s'annonce pas mal. Ça me donne envie. Bon, et on verra ça plus tard, les amis. Eh oui, bon, cette ellipse aurait été petite, hein, mais bon. Désolé, mais là, voilà, je n'ai pas la force de pouvoir continuer. D'ailleurs, où se trouve ce donjon? Ah, se trouve ici, dans une zone totalement inconnue. Ok. Bah, c'est super. Alors, dernière petite chose, hein, les amis. On va monter notre état. Je vous le donne en mille. Il n'y avait pas un truc que je voulais monter? Non. Je sais pas ce que c'est. Peut-être pour le snipe. Ah merde. Non, bah du coup, je vais garder, les amis. Parce que je sais pas ce que je dois monter. Donc, je vais garder. C'est pas grave. Donc, voilà. Bon, les amis, merci d'avoir regardé cet épisode 2 de Sword Art Online Collapse of Balance, le DLC 3 de Fatabulette. N'hésite pas à mettre un j'aime, à partager la vidéo et à t'abonner. Ça me fera extrêmement plaisir. Et du coup, on se retrouve pour le P3 qui peut-être sera le dernier de ce DLC 3. À voir, on verra bien. Donc voilà, et tu peux aussi aller visiter l'onglet communauté de ma chaîne. Je poste quelques petites infos à droite et à gauche. Donc voilà, merci. Aïe tout le monde!